Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Amorina Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zabat Matal Tov Shushportish, Simon Bat Leoni, Michael Novikov, Monseigneur Fouat Rud, Bat Claudine Traina, et Simon Chabat Masoudi Bator Shacho Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shavuot, Perek Hei Mishnah Hei. Ganavta et Shori, Veomer Lo Ganavti, Mashbiah Haniva Maramel, Chayav. גנבתי אבל לא תעברתי ולא מחרתי משביעך אני ואמר אמן פטור המית שורך את שורי והוא אומר לא המית משביעך אני ואמר אמן חייב המית שורך את עבדי והוא אומר לא המית משביעך אני ואמר אמן פטור אמר לו חבלת בי ועשית בי חבורה והוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי לך חבורה משביעך אני ואמר אמן חייב אמר לו עבדי, יפלת את שני וסימית את עיני, והוא אומר, לא יפלתי ולא סימיתי, משביעך אני ואמר אמן, פטור. זה הכלל, כל המשלם על פי עצמו, חייב, ושאינו משלם על פי עצמו, פטור. משנה très simple, on reprend le même principe qu'on a évoqué dans la Mishnah hier, qui va être ensuite posé en règle générale, en généralité à la fin de la Mishnah, et il va y avoir 6 cas qui vont faire en fait 3 fois 2, d'accord ? Un cas oui, un cas non. Le principe, on l'évoque rapidement et on le redécouvre dans les mots de la Mishnah directement. Il est que, on parle de la joie ta picadone. Je t'impose de jurer que tu me dois de l'argent parce que on a eu telle ou telle affaire entre nous. Tu as cassé ma voiture, tu m'as emprunté de l'argent, tu m'as volé de l'argent. Et l'autre nie en jurant. Je te jure que je ne te dois rien. Je jure que je ne te dois rien. Je l'amène au Beddin, par exemple, et de son propre gré, même en dehors du Beddin, c'est la même chose, et de son propre gré, il jure qu'il ne me doit rien pour essayer de me convaincre, puisqu'il a juré, et en fait, il a juré à faux, donc il devra apporter ce qu'on appelle le Hacham Gezelot. Il a volé en jurant, il doit apporter le Hacham Gezelot, rembourser l'argent avec, en ajoutant le cinquième. D'accord ? Maintenant, on apprenait dans la Mishnah précédente que il y a des fois où je dois, certes, débourser de l'argent de ma poche pour le payer à mon voisin, mais non pas parce qu'il a une dette chez moi, mais parce que moi j'ai en fait un devoir, j'ai ce qu'on appelle un knas, une amende. C'est-à-dire, la Torah elle m'a imposé que dans certaines situations je dois payer de l'argent. Mais cet argent que je dois le payer, ce ne provient pas du manque que je lui ai causé. Mais simplement, la Torah elle a posé une amende pour celui qui fait une action pareille. De ce fait, lorsque je dois une amende à cause, parce que j'ai transgressé un des interdits, d'accord, comme on va les revoir ici dans notre Mishnah, hier on apprenait le cas du viol, et maintenant, on va parler d'autres cas de figure encore qui sont considérés comme des knassot. Donc, je ne lui dois pas de l'argent. J'ai un devoir religieux de payer cette amende-là. Le bedin va devoir me l'imposer, mais pour le moment, ce qu'il me la réclame, il n'a pas de dette que je nie directement. De ce fait, je ne suis pas tour de payer. Et on découvre ça dans les mots de la Mishnah avec les deux premiers cas qui sont 1 x 2. Ganavta et shori veomer lo ganavti, mashbiachani veamaramen chayav. Tu as volé mon taureau, lignov, volé, shori, taureau. Mon taureau. Et l'autre dit, non, je ne l'ai pas volé. Je t'impose de jurer. Et il le jure, il dit, amen. Chayav, il sera chayav de payer. Il y a un petit chidouche quand même, c'est que de manière générale, lorsque l'on vole en cachette, ce qu'on appelle la gneva, on doit payer normalement une amende, de payer le double, certes. Mais aussi on doit payer le capital. On doit payer le capital et son double. Et quand je lui dis que tu m'as volé, ben je lui réclame deux choses. De me rembourser le capital et de rembourser aussi le double. Alors certes, pour le double, je ne peux pas l'imposer. Il ne va pas être ayav de Korban Jua, de Korban de Hacham Gezelot, mais malgré tout, pour le capital qu'il a nié, alors il devra apporter le Korban. Par contre, si je lui dis, s'il me répond, Ganavti, Avalot Avarti, Velo Macharati, Mashbiachani va Maramen Patur, Tvicha et Mechira, il a égorgé et il l'a vendu. Il y a une halakha particulière lorsque l'on vole un taureau ou un mouton et que, après l'avoir volé, on l'égorge ou bien on le vend à quelqu'un d'autre. La Torah a imposé de payer un knas de 4 pour le taureau ou de 5 fois la vache, la valeur de la vache. D'accord ? Parce que j'ai fait cette action de voler et égorger ou vendre. Ok ? Maintenant, ce qui se passe dans notre Mishnah, c'est que je lui dis hey, « tu m'as volé mon taureau ». Et lui me dit « ouais, c'est vrai, je l'ai volé ». Je lui dis « tu l'as même égorgé ». Il me dit « non, je ne l'ai pas égorgé ». Et il jure qu'il n'a pas égorgé le taureau. Donc il est en train de nier cette fois-ci un knas. La Torah lui a imposé de payer 3 fois la valeur supplémentaire, c'est-à-dire tu dois payer le capital, le kefel parce que tu as volé en cachette, et 3 supplémentaires parce que tu l'as égorgé ou tu l'as vendu. Lorsque tu nies l'avoir égorgé ou vendu,
De ce fait, tu es en train de nier un knas, une amende, et de ce fait, tu es pas tour de korban shuvot. Simple. On continue avec un autre cas de figure. Hemit shorcha et shori veomer lo hemit mashbechani veamar amen chayav. Ton taureau a tué mon taureau. Il l'a encore né, il l'a tué. Et lui dit non, il l'a pas tué. Je t'impose de jurer. Veamar amen. Il a répondu ok, je jure amen. Alors chayav, il sera passible du korban hasham gezelot. Pourquoi? Parce qu'il a nié de l'argent en jurant. Quel argent il a nié? Le fait que son taureau il a encore né mon taureau. Il y a un problème technique. C'est que ceux qui se souviennent de Baba Kama, on apprenait que payer un taureau qui encorne un autre, les trois premières fois, il doit payer que la moitié du dommage, et c'est un knas, c'est aussi une amende. Alors là, tu me dis qu'il est chayav, parce qu'il a nié de l'argent, il n'a pas nié de l'argent, il a nié un knas, puisque payer la moitié du dommage uniquement, c'est défini comme un knas, comme une amende. Quelque chose qu'on ne devait pas payer selon la loi stricte, mais que la Torah, elle a dit, malgré tout, donne-lui, comme ça tu vas mieux le garder, comme ce qu'on apprenait dans Baba Kama. Alors finalement, pourquoi il est chayav? Et sur ça, il faut répondre une réponse très simple, qu'en fait, on parle que le taureau, il était mou'ad. C'était un taureau averti qui avait déjà encorné trois fois. Dans ce cas-là, il doit payer le dommage plein. Et donc, puisque c'est un dommage, ton taureau, il est encorné. J'ai une dette chez toi maintenant que tu dois me dédommager. Ok. Hemit shorcha et avdi vehu omer lo hemit mashbiachani v'amar amen patour. Ton taureau a encorné mon esclave. Et lui, il dit vehu omer lo hemit. Et l'autre dit non, il l'a pas tué. Mashbiachani, je t'impose de jurer, va m'amener, il a répondu oui, pas tout, il sera dispensé de payer, d'apporter le korban. Pour quelle raison? Parce que, de nouveau, c'est le même problème. Lorsque ton taureau encorne mon taureau, on doit faire, ton taureau encorne mon esclave, on doit faire deux choses. Le taureau, on doit le tuer. On doit aller faire une skila, parce que c'est un taureau qui a tué un homme, il faut le tuer. À part ça, le propriétaire, il doit me payer un knas, une amende particulière de la Torah, qui a dit qu'il faut payer. Il a une valeur de 30 kesef, shloshim shkalim, 30 shkalim de la Torah. D'accord? Il doit payer donc cette amende, et de ce fait, et rien d'autre. Il ne doit pas me dédommager en plus. Le dédommagement, la Torah l'a dit, non, laisse tomber le dédommagement, paye-lui une bonne dette, qui est une dette énorme. C'est pas la contre-valeur de l'esclave. Parfois, si j'avais un esclave croulant qui valait pas plus que 1 zouz, et la Torah m'a dit, non, malgré tout, paye 30 shloshim shkalim. Vous voyez bien que c'est un paiement complètement démesuré face au prix exact de l'esclave. Donc forcément, c'est que c'est entièrement un knas. Et puisque c'est un knas, alors il sera dispensé d'apporter le korban, parce qu'il n'y aura pas eu de kfirat mamoun. Il n'aura pas nié de l'argent. Ok. Maintenant, on reste avec l'esclave et on découvre un autre cas de chayav. Amarlo, non, on a quitté avec l'esclave. C'est-à-dire, ouais, c'était le deuxième des trois triplés, où il y avait deux groupes. Ton taureau qui est encorné mon taureau, ou ton taureau qui est encorné mon esclave. Et donc l'esclave, c'est un 5-15. Ensuite, nouveau cas de figure. Amar lo chaval tabi, lui a dit, tu m'as blessé. Tu m'as fait saigner. Vasi tabi chaboura, ou bien tu m'as mis un gros coup, tu m'as fait une blessure, une balafre. Un chaboura, plutôt, ça devrait être un bleu. D'accord? Veo Omer, et lui, bien sûr, il me dit, lo chaval ti, velo asi tibi chaboura, ni je t'ai blessé, ni je t'ai fait un bleu. Mashbiachani v'amar amen. Je t'impose de jurer, l'autre lui répond, ok, amen. Donc, chayav. Pourquoi? Parce qu'il aura nié une dette d'argent. Tu m'as causé un dommage, tu dois me dédommager. C'est un din, c'est une halakha. J'ai de l'argent chez toi maintenant que tu dois me rembourser. Tu m'as causé un tort net. Par contre, Amarlo Abdo, son esclave lui a réclamé. Il lui a dit, hey, ipalta et cheni, vesimita et eni. Tu m'as fait tomber ma dent ou tu m'as crevé l'œil. Tout le monde sait bien probablement que lorsqu'on a un esclave, un eved knaani, alors il est normalement censé être esclave pour l'éternité. Un esclave goy que j'ai acheté, il doit ensuite faire une sorte de conversion, c'est-à-dire rentrer, on doit lui faire le brit mila, il doit même se tromper migvé. Mais en tout cas, désormais il a un statut d'esclave. Ok? Maintenant, il reste mon esclave pour l'éternité. Même si le propriétaire décède, ses enfants en héritent. Sauf un cas de figure, c'est si le maître lui crève l'œil, lui abaisse l'œil même, ou en réalité il en va de même pour tous les autres membres du corps qui sont des membres visibles, il y a des conditions. En tout cas, s'il lui fait tomber une dent, c'est explicite dans la Torah, ouais, je vais commencer à dire, c'est pas grave, j'étais très fatigué, là, désolé. Ouais, tachat chino, hercheye, c'est pas grave. En tout cas, s'il lui a crevé l'œil, il lui a fait tomber une dent, il doit le libérer, il a le devoir de le libérer. Donc l'esclave vient et lui dit, hey, maître, tu es plus mon maître. Tu m'as cassé une dent, maintenant tu as le devoir de venir me libérer. Et l'autre il me dit, mais non, pas du tout, je t'ai pas cassé de dent. Mashbiachani, je t'impose de jurer. Et donc,
Donc je te fais jurer, Vamar Amen, il a répondu Amen, Patour, il sera dispensé d'apporter le Hashem Gezeret. Pour quelle raison? Parce que libérer l'esclave, c'est aussi considéré comme un knas. Il n'y a aucune contre-valeur, parce que le fait qu'il ait une dent qui lui soit tombée, ou l'ouïe qui a été diminuée, par exemple, aussi, c'est la même chose. Il n'y a aucune cause à effet que tu dois le libérer. Maximum, tu devrais le dédommager. La Torah dit non, tu ne dédommages pas, tu payes. Tu dois le libérer, donc c'est considéré comme un knas. Et de ce fait, il sera dispensé d'apporter le korban Hashem Gezeret, puisqu'il n'y aura pas eu de leur panier de l'argent. Zéaklal, telle est la règle générale, la généralité. Kol ha-meshalem al-piyatzmo chayav. Tout cas de la Torah où tu verras que s'il reconnaissait, il aurait dû payer par sa bouche. Donc, si moi je dis, ouais, on veut se définir, est-ce que. Alors chayav, il sera chayav, c'est considéré comme une kfirat mamon. Soit, principe très simple, je veux savoir si. Violer ou bien avoir fait tomber une dent à l'esclave. Est-ce que c'est considéré comme un mammon ou comme un knas, comme une dette d'argent ou bien comme une amende qui n'a pas de cause à effet? Alors la Mishnah nous donne une règle simple. Im meshalem al piatzmo. Si il reconnaissait, lorsque tu réclames, l'esclave vient me réclame que je lui ai cassé la dent. Je lui avais dit, ouais, t'as raison, je t'ai cassé la dent. Alors est-ce que le bedin se serait fondé sur le fait que j'ai dit que je lui ai cassé la dent pour m'imposer de le libérer ou bien non? Le bedin aurait dit, bon, tu affirmes, mais en tout cas, il y a une halakha, il faut que ce soit deux témoins. Donc, puisque je ne suis pas meshalem al piatzmo, je ne paye pas de par moi-même, par ma reconnaissance, de ce fait, c'est qu'il y a une vraie dette d'argent. Kol meshalem al piatzmo, s'il paye par lui-même, par le fait qu'il reconnaît qu'il a fait cette action, et donc il aurait dû payer, de ce fait, s'il a nié, chayav, il se devra apporter le korban Hashem Gezeret. Par contre, veshaino meshalem al piatzmo, pas tout. Si il ne paye pas de par sa bouche, c'est-à-dire, quand il reconnaît son tort, le bedin lui dit, oh, comme on avait rapporté l'exemple hier avec le feu rouge, ouais, le bet mishpat va me dire, tu as brûlé le feu rouge. Si je dis oui, bon, d'accord, alors quoi, je ne dois pas dédommager le feu rouge, il y a un protocole, il y a des règles pour pouvoir rentrer au Duknas, d'accord. Donc le fait de reconnaître en soi-même, ne m'impose pas d'argent, de ce fait, Patour, il sera Patour d'apporter le korban à chaque autres. Ok, on a des très courts à Barthénora. Emit Shorcha et Abdi, ton taureau a tué mon esclave. Et donc quoi? Knasahu, il y a en cela une amende. Demeshalem Shloshim Slaim, Afilo Enoshavel Adinar. Car la Torah lui impose de payer 30 Slaim de dinar, même si l'esclave ne vaut pas un seul petit zouz, il le vaut difficilement. Et bien malgré tout, la Torah lui dit tu payes 30 Slaim. C'est une grosse somme d'argent, beaucoup plus. Donc là, je déduis forcément que c'est un knas. C'est une amende. Amarlo avdo hipalta et cheni. Son esclave a réclamé que tu m'as cassé une dent. Knasahu shayotse avdo lecherut bishvi lechad me'evarav. C'est aussi une amende, le fait que la Torah impose de libérer complètement l'esclave, de l'affranchir, parce que tu lui as cassé un de ses membres. Et de ce fait, tu ne seras pas, puisque c'est un knas, tu ne seras pas passible de korban, de shuvat apikadon, de shuvat gezel. De Hashem Gezalot, si toutefois tu as juré à faux. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'aslacha, comme tout ça.